C'est tout à fait regrettable ce qui s'est passé concernant le professeur El Hamit. Cette personne était un défenseur des droits de l'homme. Il avait une approche sans doute critique, mais une approche constructive par rapport aux différentes réformes qui avaient lieu en Arabie Saoudite. Et le gouvernement était au courant de la situation. Nous avons plaidé pour qu'il y ait un relâchement des personnes qui aujourd'hui sont en prison pour des questions d'opinion. Et je pense que le professeur El Hamit a été vraiment une victime de cette incompréhension et du non-respect actuellement des droits de l'homme. Malheureusement, il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul aujourd'hui concerné par rapport à des détentions qui sont des détentions souvent arbitraires. Et ce n'est pas que l'Arabie Saoudite qui est concernée. Aujourd'hui, au Parlement européen, nous suivons la situation des droits de l'homme de près, surtout dans le cadre de la pandémie, où on voit que certains régimes ont décidé de relâcher un certain nombre de prisonniers, mais aucun prisonnier d'opinion n'a pu être relâché, et on est vraiment très, très, très alarmé sur la situation d'un certain nombre de prisonniers aujourd'hui dans le monde, dans le cadre du Covid-19. Évidemment, Elougine Adloul est aussi une des personnes que nous suivons ici au Parlement européen parce que vous savez que la question aussi des militants, des activistes pour le droit des femmes, pour faire avancer la cause des femmes est aussi importante. Et nous avons suivi aussi son cas. Vous savez que Raif Badawi est aussi, a reçu le prix Sakharov au niveau du Parlement européen pour lequel nous sommes aussi très inquiets. Nous recevons aussi beaucoup de messages concernant ces prisonniers. Il faut que, au niveau des autorités, ils puissent entendre que le dialogue et la question des droits de l'homme est importante. Vous savez, en Europe, les droits de l'homme, ce sont des valeurs essentielles. Et on voit qu'il y a aujourd'hui une volonté de faire diminuer, je dirais, le combat sur les droits de l'homme, aussi à l'intérieur de l'Union européenne, pour lesquels nous devons absolument, je dirais, rester vigilants. Et si nous voulons avoir des partenaires, et l'Arabie Saoudite est un partenaire parmi d'autres au niveau de l'Europe, eh bien il faut qu'il y ait des avancées en matière de droits de l'homme et non pas des marches arrière en matière des droits de l'homme. Et ce que nous voyons aujourd'hui, malgré le fait que Riyad héberge le G20, eh bien malgré tout, il n'y a pas de réelle avancée, il n'y a pas d'activité réelle en ce qui concerne les droits de l'homme. Et je dirais que finalement, tous les membres du G20 sont complices de cette situation si finalement nous n'attendions pas de l'Arabie Saoudite qu'elle fasse des efforts en matière de libération de ces prisonniers d'opinion qui sont aujourd'hui dans l'incertitude et dans la crainte. Alors, je pense que c'est un paquet global. On ne peut pas dire que l'économique est au-dessus des droits de l'homme. On doit se servir de relations commerciales que nous avons avec des partenaires pour faire passer, je dirais, des standards qui sont des standards universels en matière de droits de l'homme. On ne peut pas accepter que des personnes, parce qu'elles ont émis une critique vis-à-vis d'un gouvernement, puissent être privées de leur liberté, voire de leur vie. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui avec le professeur Al-Hamid. Et donc, nous devons continuer en tant qu'Européens de mettre à l'agenda de la relation que nous avons avec l'Arabie Saoudite, comme nous devons le faire avec tous les pays avec lesquels nous sommes en relation,
la question des droits de l'homme et aussi la question de l'impunité. Parce qu'il ne suffit pas d'inscrire dans une loi le respect des droits de l'homme, la suppression de la peine de mort, si dans la réalité, il y a encore des prisonniers politiques aujourd'hui qui n'ont pas le droit à un procès, qui n'ont pas le droit à des avocats et qui meurent dans leur prison ou qui meurent tout simplement parce qu'ils ont exprimé. Et je cite par exemple le cas de M. Khashoggi, aussi, qui est aussi une question pour laquelle nous devons absolument travailler pour la lutte contre l'impunité avec tous les pays partenaires avec lesquels nous travaillons. Alors, ce n'est pas une position personnelle, celle que je prends ici, c'est la position que nous avons prise au Parlement européen, tous les groupes politiques confondus, au niveau de la séance plénière du Parlement. C'est-à-dire que plus de 700 députés européens ont pris ces positions clairement au niveau du Parlement européen. Mais comme vous le savez, il y a l'Union européenne et puis il y a un certain nombre d'États membres qui ont des relations bilatérale avec l'Arabie Saoudite. Et je pense que c'est au niveau du Conseil, c'est-à-dire des États membres, que cette question des droits fondamentaux et des droits de l'homme doit être mise à l'ordre du jour de toutes les relations bilatérales que les États membres européens ont avec l'Arabie Saoudite. Mais la question des droits de l'homme, telle que je l'ai posée sur les différentes résolutions, sur la demande de libération des prisonniers politiques, sur le prix Sakharov à Raif Badawi, sur la demande d'enquête qui d'ailleurs a été faite par les Nations Unies en ce qui concerne l'assassinat de M. Khashoggi, ce ne sont pas des positions personnelles, ce sont les positions de 700 députés du Parlement européen qui ont pris ces positions il y a déjà un certain temps. Merci à vous. Merci, merci. À bientôt.